Salut gang, c'est Master Gun Mode. J'espère vous que ça va bien. Moi, ça va super bien. Ce soir, on va faire un petit jeu vraiment gore qui s'appelle The Walking Dead Survival Instinct. C'est un jeu vraiment qui est plaisant, qui est le fun à jouer, qui est un petit peu stressant. C'est un feu, tu sais, c'est un jeu à la première personne, comme vous savez. J'adore ce genre de jeu. C'est vraiment stressant, par exemple, quand on arrive dans le noir, vous allez voir avec la petite lampe torche. Mais on se lance là-dessus, puis on va rire un peu. Moi, j'ai skippé le début, quand son père, Daryl, se fait tuer, etc. Maintenant, nous allons... Oups, c'est quoi ça ici? Choisir inventaire. Marteau. Ration. Ok, ça c'est mon inventaire que j'ai. Ok, parfait. Maintenant... Okay, non, on va regarder ça. Là, on prend le couteau et on commence. Toi, Jesse, reste là, t'es blessé, mon homme. Lui, il s'est fait mordre. Tantôt, vous voyez sur son bras, il est blessé. Il va sûrement se transformer en zombie. Mais c'est pas grave, j'en ai pas peur. N'oubliez pas que j'ai Daryl. Sauf que Daryl n'a pas son arc à flèche. Là, il se bat qu'un couteau pour l'instant. Mais là, faut trouver de l'essence. C'est le but premier, il faut qu'on trouve l'essence. Là, on va ouvrir ça ici. Ah, fuck, ça me fait. Ça m'écœure quand il n'y a pas de courant. Je sais pas s'il y a des bouteilles. Ah, il y a une bouteille ici. On va la ramasser. Ça peut toujours aider quand on se bat, quand on n'a plus d'armes. Oh, ça c'est bon. Yes. Lui est mort. Il n'y a rien ici à ramasser. Allons de l'autre côté. Il va sûrement y avoir un zombie à quelque part. Comme je disais. Et voilà mon homme. Je vais sortir d'ici. Je pas la fermer la porte, je vais sortir. On va venir voir ici. Tout d'un coup, il y a un autre zombie. Non, il n'y a pas de zombie ici. Hop, il y a une bouteille, par exemple. Et lui, je ne fais pas confiance, mais pas du tout. On va prendre le couteau. Désolé, c'est un petit peu gore, un petit peu violent. Mais c'est ça. Je veux survivre contre les zombies, donc je dois faire ce qu'il faut. Il y en a un autre là. Il est à mon pourri. Il est à, je t'attends. Et voilà. Il y en a un autre ici. On peut échanger des vivres, c'est bon.
Et là, je reviens aux endroits où j'étais tantôt. Oh, un marteau. J'en ai déjà un, mais on va le reprendre pareil. On va en prendre un deuxième tout d'un coup. Ici, on va regarder voir si je trouverai pas quelque chose qui pourrait être utile. Ok. L'arrière ici, rien. À part une personne qui est morte. Ok, c'est. Comme vous pouvez voir, c'est un petit peu stressant. Se battre avec un couteau, j'aimerais mieux avoir une carabine ou un tuyau ou whatever, quelque chose qui frappe plus fort là, que seulement qu'un petit couteau. Parce qu'il faut vraiment que je me batte corps à corps avec eux. Puis ça, j'aime pas ça vraiment. Tu sais, c'est. Ok. Trouver des balles de fusée, mais pas de fusée, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Salut mon homme, t'es qui toi? Jimmy Blake, last standing officer of the Sedalia SO. Ok. The suckers all over this place, Tim. The biters? Yeah, they're everywhere, man. Where have you been? Up in the hills, huh? They know nothing about them because it's hard to camp. Ok. Let me bring you up to speed. Il y en a-tu du zombie à votre goût? Oh là là! Mais c'est pas grave. Daryl et Master Gun Mode, on est fort, on va les battre ensemble, inquiétez-vous pas. J'ai hâte de vous montrer ce que je suis capable de faire. If you can, I'm happy to supply a little bird's eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries, okay. I'm a gas up. I think it's long gone, but the kid would know better than me. Okay, on va aller voir le kid. C'est qui sur le kid? Ah, il y a un autre survivant, ça a l'air. On va aller voir. Ok, voilà. Je me jetterai pas en bas pour le plaisir. Et ici, y a rien. Allons voir. Ah, ici. Ok, regardons s'il n'y aurait pas des armes ou quelque chose qui pourrait m'aider ici. Non, je ne crois pas, mais on va faire le tour, on va regarder. Tout d'un coup, je trouverai des balles de fusil, quelque chose. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a absolument rien ici. On va regarder là. Non plus. Bon, ben, on va descendre. Il n'y a pas de zombie ici, c'est bon. Oh, ça c'est intéressant. Un lead pipe. Avec la nourriture. Ah, ben. Ah, on va peut-être prendre un lead pipe, je pense à ça. Tiens, on va voir ce que ça donne. Quand on va frapper des zombies, parce qu'il va sûrement en avoir pas loin. Surtout, j'ai une porte ici, on va ouvrir la porte. Non, ici, il n'y en a pas. C'est exactement où est-ce qu'on était. Tantôt. Ok, mais là. Faut que je sorte. Là, je suis entré ici tantôt. On va repartir là. Il doit y avoir une autre porte. Ah, il y a un zombie ici, justement. Je vais essayer.
Où est-ce qu'il est passé? Je ne sais pas, mais on va essayer. Ouais, mon père. Ouch! Oh, ça fait du dégât. Alright! Là, je suis en bateau. Ouais, pas en bateau. Là, je suis en voiture, je veux dire. En bateau, ouais, bonne bateau. Là, je suis en voiture. Si j'ai ouvert tantôt, on va aller voir plus loin. En ayant une arme qui frappe plus fort, puis. Ah, étends, toi, mon homme. Elle m'a pourri. Touche-moi pas, je te dis. Ok. Bon, je traverse au bord des camions. Ça ici, est-ce que je peux regarder ce qu'il y a là-dedans ici? Non, on va pas ouvrir. Je vais me promener. Le poste de police, je sais pas. Oh, le poste de gaz. Oh, il y a des zombies ici. Ok, il y a des zombies ici. Salut, t'es qui toi? Sérieusement, le jeu, vous le trouvez captivant? Moi, en tout cas, je le trouve un tantinet un petit peu stressant, mais vraiment le fun. C'est une belle histoire à date. Je viens de trouver deux survivants, au moins c'est bon. Plus Jesse, celui qui est quasiment zombie là-bas, lui est encore là, mais il va sûrement s'en sortir bientôt en bébite. Allons voir. Ok. On a un deal. On va essayer de trouver ce que tu cherches. Oh, tu sais, peut-être la gare aussi. Ah, fuck, il n'y a plus de courant. Bon. Faut que j'aille au poste de police, essayer de trouver des batteries. Ah, fuck off. On va recommencer cette partie là, ça a l'air. C'est débile. Un premier wipe. C'est pas grave. Ça fait partie de la game. C'est fait tuer. J'espère que je recommence pas du début, là. J'espère au moins qu'il a sauvé. Vous pouvez ramasser les carreaux d'arbalète que vous avez tirés. Ok, bon, mais ça, quand je vais avoir mon arbalète, là, je l'ai pas. Là, là pour l'instant, il faut qu absolument que je trouve des batteries pour le monsieur d'en haut. Ok, non, c'est bon, je repars pas dans l'autre bout. Fait que, c'est bon. C'est verrouillé. Tantôt, mon pourri, tantôt, tu. Là, je t'ai eu. Là, on va faire quelque chose. On va prendre la vie un peu. Bon, poste de police, c'est toi. Par où est-ce que je passe sur le poste de... Ah, probablement par l'arrière. Ok, mais là, on va se lever vite. Ah, il est temps. Ouais, je t'attends.
Ouais, une entrée par l'arrière. Oh, de la nourriture. Je prends tout ce qui peut m'aider. C'est un petit peu violent, je vous avertis. Hop, ça ici, je peux pousser. Il n'y a pas d'autres zombies, ils sont tous morts. Ok. C'est la porte qui mène où? Qui oppose la police. C'est bon. Là, il faut que je trouve les batteries. Où est-ce que je pourrais trouver des batteries? Voyons. Ok, on va ouvrir ici. Oh yeah. Il m'a fait faire, il m'a fait faire un saut! Il y en a qui sont. C'est stressant ici, hein, un petit peu. Wouhou! J'ai eu un petit frisson. La porte est verrouillée. Oh, on peut monter. Ok, on va monter. Verrouiller aussi, voyons. Est-ce quelqu'un que je peux. Y a-t-il une place que je peux fouiller quelqu'un pour avoir des clés, quelque chose? Ça me prend des clés. Ici, c'est barré. Sûrement un endroit, un bureau. Oh, il y a une partie. Vite, il y en a un autre qui s'en vient. Vite, vite. Oh oh. Oh oh. Bon. Ouh. Ça a été moins une. Des petites palpitations. Ouh, ouh, ouh. Ok.
On va manger un petit peu. Bon, il a essayé de défoncer la porte ici. On va regarder ce qu'il peut avoir là. Ah, il est en train. Oh, oh, toi aussi. T'avais vu, toi, mais c'est juste. Je pensais que tu donnais au gaz. Hey, c'est stressant, je vous le dis. Wouhou! Les zombies partout! Là, faut que je trouve des putains de batteries. Moyen que je puisse péter ça. Ok. Ah, les batteries. Bon. Partout ce qu'on voit, il y en a toujours un qui apparaît. Hey, t'es vu tes astuces de batterie, t'es un prêt là. Make sure you're there when we go. You can get left.
You got it. Bon, c'est tout. Alors, ma belle gang, ça fait un beau 25 minutes que je joue au jeu. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous faire un à suivre. Je ne vais pas faire trop des vidéos super longues. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, j'aime bien ça. On va travailler fort là-dessus. Si vous aimez vraiment les jeux gore, vous allez triper sur ce jeu-là. J'ai eu un wipe à date. C'est bien. On s'amuse. On est là pour triper. Fait que, gang, c'est un Master Gun Mode. C'est Master Gunmode qui vous dit salut gang, à la prochaine. Bye bye.